John Cook est un acteur américain qui est surtout connu pour ses rôles dans des feuilletons télévisés. Parmi ses apparitions notables dans des séries télévisées, nous pouvons citer Les Feux de l'amour en 1973, Amour, Gloire et Beauté en 1987 et Manium, Pays en 1980. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Cook est né le 20 juin 1944 à Ventura, en Californie, aux États-Unis. Il a donc eu 77 ans le 20 juin de cette année. Il a été élevé par ses parents à Ventura, en Californie. Son père était ouvrier dans les champs de pétrole et est devenu presque sourd à cause de la génétique et de son travail. Par conséquent, il ne pouvait pas beaucoup communiquer verbalement, et lorsque John a commencé à faire de la musique, du chant et du théâtre, son père n'était littéralement pas capable d'entendre ce qu'il faisait. Cependant, il approuvait ses activités artistiques et ne les trouvait pas ridicules, contrairement à sa mère qui désapprouvait son désir de faire de l'art. Nos efforts pour en savoir plus sur sa famille sont restés vains, car aucune information de ce type n'est accessible au public. Ainsi, l'identité des parents de Cook n'est toujours pas claire. On ne sait pas non plus s'il a des frères et sœurs. Depuis mars 1987, il a joué le rôle d'Eric Foresté dans la série Amour, Gloire et Beauté. Il avait auparavant incarné le personnage de Lance Prentice dans Les Feux de l'amour d'octobre 1975 à février 1980, quittant la série au moment où elle passait au format horaire. En outre, il est apparu en tant qu'invité dans des épisodes de dizaines de séries diffusées aux heures de grande écoute. Winsor Harmon, co-star de Bee and Bee, et a joué une fois avec Cook dans un épisode d'Acapulco I, tourné au Mexique. Actuellement, Cook et Catherine Kelly Lang sont les deux acteurs les plus anciens de la série Amour, Gloire et Beauté, et tous deux ont débuté dans le premier épisode. Cook n'a que 7 ans de plus que Ron Moss, qui jouait auparavant son fils dans la série. John Cook a été mis sur la touche en raison d'un problème de santé au cours de l'année 2018, cependant, il n'a pas permis à ce contretemps temporaire d'affecter son sens de l'humour. Il a publié sur Twitter un message humoristique, dans lequel il révélait que sa fille, et lui venait d'obtenir de nouveaux rôles. Sa fille a obtenu un rôle dans une série télévisée et lui, une nouvelle partie du corps. Malgré son état de santé déplorable, John a gardé le moral. Néanmoins, il lui a fallu du temps pour se remettre complètement d'une prothèse de hanche. Il est l'un des derniers grands acteurs de longue date dans les émissions de jour. En 2017, il a décidé de prendre sa retraite après 30 ans et de faire honneur au nom de son émission. Il a également déclaré qu'il était parfois fatigué de jouer dans ce feuilleton international. De plus, il a déclaré que parfois, lorsqu'il s'agit de mariage, d'enterrement et de parler de tout le monde, il ressentait une sorte de malaise à propos de son rôle dans la série. John Cook a une valeur nette estimée à 6 millions de dollars en 2022. Cela comprend ses actifs, son argent et ses revenus. Sa principale source de revenus est sa carrière d'acteur. Grâce à ses diverses sources de revenus, Cook a pu accumuler une bonne fortune, mais préfère mener un style de vie modeste. Pour ce qui est de sa vie personnelle, l'épouse de John Cook, Laurette Spam Cook, est âgée de 70 ans. Elle est née le 16 mai 1951 à Buffalo, à New York, aux États-Unis. Elle fête son anniversaire le 16 mai de chaque année. Ils ont trois enfants, Jacques Thomas, Rebecca Jeanne et l'actrice Molly Jeanne. John Cook était marié à la danseuse Julie Pross, dont la carrière de 4 décennies comprenait la scène, la télévision et le cinéma. Le couple s'est marié en 1972, mais a ensuite divorcé en 1979 en raison de différends irréconciliables. À l'issue de leur mariage, le couple a eu la chance d'avoir un fils nommé Seth. Pross est décédé à l'âge de 59 ans à Holm Beach, à Los Angeles, aux États-Unis. John Cook a été aussi marié à Marilyn McPherson. Le couple s'est marié en 1965 et a divorcé en 1971. En 2001, 2012 et 2018, Cook a été nommé au Daytime Emmy Award dans la catégorie Outstanding Lead Actor pour son interprétation d'Eric Foresté. En 2022, Cook a remporté le Daytime Emmy Award du meilleur acteur principal dans une série dramatique pour le même rôle. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez juste en dessous.
Surtout abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos.